Comme ça, si tu dis des conneries, tu seras pas le seul à enregistrer. Ben c'est pas juste, c'est pas juste. Voilà, c'est Attendons pas que le vrai. sieur Aril Ben, c'est ait pas vrai, c'est lancé son lancé. C'est enregistrement. lancé! C'est lancé? Quand vous voulez, on y va alors. Là, il faut ouvrir ma feuille de perso, peut-être, ça peut être utile. Voilà, chenille.ods. Et après, moi, je vais lire. Attends, tu fais quoi? Tu fais résumé et après, je lis mon texte. Allez! Bon, comme vous le sentez. Moi, c'est un résumé, mais bon, les gens vont rien comprendre. Cher audio spectateur de notre station de radio, Attends, bonsoir. on est où là? On est encore sur le château. Tu peux peut-être nous balancer. Oh non, on reste Non, là. non, j'ai pris l'habitude de faire les intros D'accord. Eh ben, c'est sur ça. parti, Chani, vas-y, je te laisse. Chers audio, bonsoir. C'est l'homme qui barbe, qui n'y arrive pas à faire son résumé. Ouais. Nous allons résumer les sessions précédentes. Donc, notre ami Aril, Oui. accompagné par le sombre et ténébreux magnifique Labaric, sont partis ensemble à la Et le recherche du wouhou. destrier perdu, ainsi que de son cavalier et du contenu de sa poche. Nous recherchons du métaux et nous avons combattu des gobelins que notre superbe héros nain a vaincu quasiment à lui tout seul, tandis que le clochard elfe et son chien essayaient de survivre. Excusez-moi pour le choc. S'il est tombé à la renverse. Découpant Donc. tendrement les oreilles des gobelins pour garder des preuves du combat, notre héros s'aventurait dans une grotte noire, suivi par un chien et par son maître puant. C'est pas un peu le contraire. C'est toi qui pue la mort. Si. C'est. Mais laisse-moi me donner le bon rôle pour une fois en début de partie. Je peux me donner le bon rôle. Je le D'accord. fais. Alors, monsieur Mon Dieu. Kisserit, est-ce que tu m'autorises à lire mon journal que j'ai Non, enfin de... mais D'accord. vas-y, prends le Voilà. temps. Tant qu'à y être. Du coup, je résume un peu tout parce que c'est déjà 5 sessions qu'on est. Et C'est la si. sixième, non? Ouais, C'est la c'est un truc comme sixième. ça. Voilà. Alors, du coup, ça résume un peu tout aussi, mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Alors, d'un bateau propulsé par des vaches. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour ne pas passer pour des lâches. Le naufrage étant provoqué, il fallait se sortir de ces situations avec rapidité. Sodon, de son précieux petit nom, s'est jeté sur nous sous la forme d'un trépassé. Triste journée. La nuit passée dans une ferme, Carabas s'est montré docile, tout comme Barry, qui aurait pu nous croquer au lit. Une fois partis, nous avons rencontré la Ravidelle, un curieux personnage, peut-être un mage, un sage, sans oublier ses bredouillages. Quitter la forêt fut facile, surtout lorsque nous avons aperçu un fanion qui indiquait la direction du relais des trois oies. J'en ai encore de l'émoi. Dilys m'a tapé dans l'œil, moi et mon écuelle ou mon écueil, je sais pas comment on dit. Trop tard, il fallait partir. Du duel, nous avait proposé une mission, avec ou sans option, serions-nous des futurs champions? Un petit pont à franchir, sans mal et sans rougir, lorsqu'un camp de gobelins fut en ligne de mire. Par un plan insensé, nous ne nous sommes pas sauvés, au contraire, nous les avons tous tués. Sauf un. Voilà. Sur ces rimes moisies, toute notre compagnie allait s'aventurer dans une grotte, et Ça. espérant ne pas tomber dans la crotte comme des fiottes. Oui, moi aussi je sais rimer, mon ami. Ouais, compagnon rimeur. Excusez-moi. Voilà, j'ai essayé Ah. 118, je sais pas si ça vous plaît, mais. Ce gros lot de conneries, continuons notre partie. Exactement. Je suis atterré. L'ambiance s'est lancée toute seule, c'était absolument pas celle-là. Voilà. Mon Dieu, quel lancement! C'est le lancement le plus épique qu'on ait fait, je crois. Non mais Remontez-moi, ils m'ont pris de montrez-moi. court comme ça On lui a cassé les jambes. là. Et Voilà, la petite voix surnaturelle, paf, dans les jambes. je m'y attendais pas. Bon, je vais reprendre la main. Vas-y, prends la main. Voilà, je Ne vais prends pas essayer les pieds dans Tant que tu ne la dans mets le pas dans la scénario. gueule. Ok. Oh, c'est la soirée Vanna de balle. Ok, donc L'ambiance est lancée. il faut que je prépare les sons, hein, parce Oui, faut parler. que j'ai pas de petits. Oh, c'est bien. C'est Oui, bien, on peut c'était aller pas au mal. moins. Non, non, non. Bon. Rassemble-toi, garçon. Essaye de retrouver la partie.
Le maître du jeu a du mal. Il Ils ne ont faut pas mis... lui en vouloir, car son esprit est dans le noir suite à cette vaste poésie que nous avons lancée. Ok, Google. ça tue tout, ça. Donc, on s'est arrêté faut pas, ici. Faut pas se prendre de fou, non, vous en faites pas. Vous veniez grâce à une stratégie digne des plus grands stratèges insoupçonnés. La plus épique qu'un nain ait jamais créé. Voilà, c'est une stratégie qui ne sera jamais dans aucun manuel de stratégie. Mais qui fonctionne. qui a fonctionné parce que les mecs en face étaient probablement aussi cons que l'était votre stratégie en question. Okay. Moi, j'ai fait exprès de me vautrer parce que ça les a fait halluciner et. Et tu vas la fermer pour qu'on puisse continuer. Ok, stop. J'y suis. Voilà, je récapitule. Donc, les gobelins là, canés. Voilà. Camp de gobelins, là, fouillé, pas grand-chose, 2-3 potions, hop, full vie. D'ailleurs, vous êtes full vie, full stat, full tout. Plus de malus, full plus tout. Rien, plus de bonus. Pas tout, mais presque. Plus de malus, en sociabilité. Ouais, non, c'est bon. Même en apathie, ton, t'as que dalle. J'avais un plus 10 en empathie, je peux le garder? Non, t'aimes pas l'empathie, en plus. Ah, moi, je suis pas empathe. Donc, vous aviez deux trois indices qui vous ont laissé penser que le cheval qui était canné proprement et à moitié découpé par les gobelins était manifestement, alors, sinon le cheval de Toldek, au moins de façon certaine, hein, l'un des coursiers du relais des trois oies, parce que vous avez retrouvé sa selle par ici de mémoire. Hein. Bah oui, elle est encore là. Elle est encore là. Qui était estampillé de l'enseigne des coursiers. Les traces de sang vous laissent penser que sur cette coulée de boue, cette espèce de glissement de terrain qui est eu relativement récemment, le cheval s'est pété la gueule et c'est au moins péter une patte, sinon le cou à cet endroit-là. Donc c'est le sang du cheval, d'accord. Très probablement, ouais. Très probablement. Okay. Tu vas pas goûter pour être sûr? Non. Voilà, non. Et à proximité justement de ce glissement de terrain, et révélé probablement il y a ce glissement de terrain, vous avez aperçu une... On va dire une déchirure dans le flanc de la d'ailleurs, montagne, ouais. Largement assez... Alors, naturel, est-ce que tu peux préciser un petit peu le sens de ta question? Est-ce que c'est taillé ou est-ce que c'est naturellement fissuré? Alors, C'est peut-être plus pour Kylen, ça. Je lui demande, tiens, en voyant ça. Ça n'a pas été fait par Anne. Ouais. Non, ça n'a pas été fait par un nain. La déchirure en elle-même a l'air relativement artificielle. C'est clairement un bout de paroi qui a été arraché. Maintenant, même de là où vous êtes, à quelques pas devant ce trou dans la roche, vous pouvez voir que l'intérieur, lui, n'est pas naturel. D'accord. Il y a manifestement à cet endroit-là, par terre, des morceaux qui ne sont pas de simples cailloux, mais des. J'ai un bel écho. Ça vient de chez vous, c'est. J'ai un petit écho du côté de. Je n'ai pas d'écho. Mais un petit écho. Hein. Ah ben ça vient. Écho. C'est quand je parle que j'ai un retour. Coco? Attends, Shani, fais un petit bruit et parle, Snarit. Ouais. Oh. Non mais attends, pas trop fort, sinon on n'entendra pas l'écho, sinon. Bah, Shani, Snarit, parle fort. Oui, je sais pas si... Mon micro est trop fort, peut-être? Non, c'est pas ton micro qui fait de l'écho. Non, ben oui.
Parce que là, j'entends rien. J'entends rien. Et si Et. Chenille essaye de parler un peu en même temps? Ouais. Si le nain essaye de parler, vous allez l'entendre et Si le nain l'admirer. essaye de parler, c'est ça. Il ouais, y a un petit écho. J'ai un petit retour qui vient de chez toi quand on met le micro s'active, Chenille. Ah bon? Ouais. Bon, c'est Peut-être pas le son méchant, entre tes méchant. oreilles qui est un peu trop fort. Et du coup, ça. Bah, s'il est que dans ses oreilles, là, ça doit être Oui, super c'est chaud. sûr, oui, c'est normal. Ou Oui. le micro capte autre chose. Bref, c'est pas Sur ce très très vaste lot fort. de conneries, allons-y, c'est Voilà. parti. Entrepris d'entrer dans cette. Donc là, effectivement, au sol, parmi toutes les roches qu'il y a naturellement un peu partout, vous apercevez clairement des débris de pierres qui ont été taillées. D'accord. Donc ce Kylan, n'est pas qu'est-ce que t'en naturel. penses? La déchirure a l'air totalement naturelle, Naturel. accidentelle, mais elle plonge vers quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Kylan, qu'est-ce que t'en penses? On rentre là-dedans? Ça sent le gobelin. Ça sent le gobelin. Moi, je dis, en voyant ce trou buant, bah, du trou buant béant, il Béant, faut nous béant. enfoncer dedans. Je pense que Ici. allons déjà jeter un œil, ce serait déjà pas mal. Est-ce Eh qu'il y a ben, Myog, il veut bien rentrer, lui? Parce que bon. Oui? oui, y a pas de souci particulier vis-à-vis des murs. Ouais. Si tu Ok. rentres, il te suit. Pas qu'ils me suivent, on y va. Hop. Voyant ce trou béant, On n'est nos paquet. amis, un chien, son elfe et un impuant s'enfoncèrent dedans. Oula, il fait tout noir. Ça va être tout noir! Ta gueule! Vous êtes tout Alors, en est-ce. bas. Ah! Et il va falloir zoomer un peu. Ouh, ça veut dire que ça va se découvrir Waouh! au fur et à mesure. Technologie! Est-ce qu'on peut 150. adopter une formation intelligente de déplacement? Oui, bien sûr. Genre, ceci, parce qu'apparemment, l'elfe peut tirer par-dessus ma tête. Oui, voilà, je suis plus grand que toi, donc logiquement, je vais derrière. Sinon, toi avec ton pic, tu vas me l'enfoncer dans le crâne, c'est ce que tu vas pouvoir faire. On voit les courageux. Hein. Bah après, t'as une vue Oh, qui est juste meilleure dans le noir. triste. Il y a des runes! Est-ce que je les vois d'ici? Parce que c'est pas loin quand même. Hop, mesure. Oula. Ah oui, J'espère que c'est quand pas même. copyrighté. Ouais, c'est la grande question. Si, certainement. Ah. Non, mais je la mettrai pas. Ah, même une petite musique Je sympathique. rajouterai une musique d'ambiance, vous inquiétez pas. Une musique de cave. Vous en faites pas. Donc, vous êtes après les quelques pas en vous avançant d'une dizaine de mètres dans ce boyau, vous vous retrouvez dans un couloir pavé, dallé, avec des murs de pierre totalement artificiels. Il y a une sécheresse ambiante qui vous prend à la gorge tout de suite, malgré l'ouverture sur l'extérieur à une dizaine de mètres derrière vous. Même avec ça, vous sentez la sécheresse ambiante. C'est un endroit qui a dû rester clos pendant très 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 longtemps pour que voilà, pour que vous ayez la gorge sèche rien qu'à respirer, alors que bah, l'air extérieur est encore assez proche. On peut déjà poser une ou deux questions, non? Ou est-ce qu'on s'avance encore? Est-ce qu'on peut te poser des questions, monsieur l'AMJ? À partir de maintenant, vous faites comme vous le Alors, sentez, si je vous avez. propose qu'on le fasse par tour. Donc, Harry passe en premier, ou moi. Mais comme ça, on a un certain ordre au niveau des questions. Ouais. Bah oui, Si ça comme te tu veux. va, hein. Oui, on gère comme vous Alors, parce voulez. que comme ça, on a une certaine organisation et c'est pas le bordel dans la conversation. Oui. Donc alors, ce genre de lieu souterrain aménagé, enfin aménagé ou moins construit par quelqu'un, quoi, ou par plusieurs personnes. Enfin, là, ça, en l'occurrence, c'est logiquement un peuple ou quelque chose. Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est courant? Ou est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi? Ce genre de lieu, ça peut être tout et n'importe quoi.
Il y a des nains dont les villes sont creusées dans les flancs d'une montagne, si tu veux. C'est quelque chose d'archi courant. C'est pas les seuls. Des gobelins peuvent très bien élire domicile dans une montagne. A priori, ils se donnent pas forcément la peine d'aménager des couloirs comme ça. Ouais, c'est pas eux qui ont fait ça, Mais c'est pas des gobelins. Je vois. Vas-y. je vais vous Donc. laisser avec vos questions pour l'instant. On verra les Ok. informations que je peux vous donner en plus après. Après, il y a Nous la sommes pierre aussi, mais. dans un couloir, mais il est large comme. Là, au niveau du dessin, je vois qu'il est très serré. Mais est-ce qu'il est serré, serré, ou est-ce qu'il fait genre 2 mètres de large, ou on Comme a du l'indique mal la à s'y. règle, Ok, 2 mètres. 2 mètres. il fait un peu plus que ça. Il doit faire 3 mètres de large. Et en hauteur? 3 mètres de large. En hauteur, il fait 2 mètres, guère plus, de haut. Ah. 2 mètres 10. D'accord, donc c'est Ami pas très elfe, haut. ne sois pas crétin. Pas de coup de haut en bas pour taper du gobelin. Oui, ça c'est certain. Oh putain, j'ai la rime. Sans faire exprès. Rappelle-moi ta taille, Aril. Alors, comment je fais pour voir ça? Alors, c'est sur ta feuille Sur de ta taille de personnage, personnage, dans les un mètre 81. attributabilities, Tu as 1m81. taille, la première case. Je suis pas trop grand encore, ça va. Non. 1m80? Tu fais juste 60 cm de plus que moi, quoi. Ah oui, non, je suis pas non plus un trop grand elfe. Hein. Donc, ça veut dire que le plafond est Un peu à plus elfe. 30-40 cm au-dessus de ta tête. Ouais, je ferais 2 mètres, ce serait un peu short. Là, il y aurait mes cheveux qui commencent à. Alors, Hein? juste que ce soit bien clair, c'est pas short du tout pour te déplacer normalement, c'est pas short du tout pour courir. Si jamais tu dois sauter, Ah prendre une oui. impulsion quelconque, va falloir que tu aies en mémoire ce plafond bas. Sinon, tu auras des problèmes. Et là, une cette salle, elle est plus haute ou pas? Enfin, est-ce qu'on le voit déjà? Peut-être que c'est une question peut-être de Kylen, ça. Je vous laisserai avancer un peu plus loin J'ai après, on une va. dernière question avant Oui. de m'aventurer plus loin dans la conversation. C'est à savoir, ce couloir est assez âgé, d'après ce que j'ai compris, vu que ça a été taillé dans la roche et tout. Il a été découvert récemment, mais est-ce qu'il y a des signes de passage, je veux dire, parce que est-ce qu'il y a de la poussière partout, des toiles d'araignée, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas mal circulé? J'allais y venir, donc je vais continuer un petit peu mes descriptions. Il y a assez peu de traces à l'entrée du couloir, comme si une épaisse couche de poussière avait été soufflée, soufflée par par l'ouverture en fait, le pan de montagne qui s'est effondré. Il y a eu un appel d'air. Il y a une grosse partie de la poussière qui s'est embarquée. En avançant un petit peu, vous retrouvez cette poussière quand même, assez peu épaisse finalement. C'est quelque chose qui contraste, c'est-à-dire que c'est un endroit qui a dû être Emprunter, circuler. Alors, j'allais dire pour... Fais-moi donc un test d'éducation d'abord. Les deux. Un test, une caraquelle. Alors, Qu'il est elfe des une collines, caraque. Aril, tu peux m'en faire un, mais avec un moins 30. D'accord. Rappelle-moi la caraque que tu veux que j'utilise. Éducation, une seule carac. Éducation. Modificateur 0. Hein. Au moins 30 bannes. Ça m'a l'air d'être un couloir. Voilà. Non, non, t'as fait une réussite standard. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà que, compte tenu de la du peu de poussière qu'il y a, mais de la sécheresse des lieux, c'est un endroit qui a dû être hermétiquement clos. Mais vraiment. Ok, ça me va. Voilà, il y a finalement assez peu de poussière qui s'est accumulée, et pourtant ce truc-là est vieux, vraiment vieux. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Oui, moi je veux bien que tu me dises un truc, c'est juste si le plafond est sculpté, enfin taillé, si c'est de la roche pure ou si c'est. Tout est taillé. Ok. Tout est C'est en pas briques. la paradroche apparente ou quelque chose comme ça. Non.
Les murs sont droits, le sol est dallé, le plafond est... Alors, c'est pas une voûte, hein, c'est plutôt un plafond plat avec des espèces de madriers de pierre qui le soutiennent par endroits. Tu vois que les dalles, enfin, l'ensemble de la maçonnerie, si tu veux, est absolument pas uniforme. C'est fait à l'arrache. Ça se voit que c'est Non. pas des nains qui ont fait ça. Alors, oui. C'est pas des nains qui Oh ont fait oui! ça. Ça aurait Il y été a propre, lisse. aucun souci. Tu ne reconnais aucune esthétique dans l'architecture. Donc pour toi, c'est pas nain. Les nains ne construisent jamais sans esthétique, même si c'est une esthétique qui n'est pas forcément accessible à d'autres personnes qu'eux. Mais il y a Mais ça, toujours des principes qu'ils essayent de respecter, des principes d'élégance, avec leur propre notion d'élégance, si tu veux. Ah bah Donc c'est oui, pas les des nains nains qui ont courent beaucoup construit de ça. 1m60. Voilà. Il y a une homogénéité de matériaux, et c'est très Ok. probablement les matériaux qui ont été puisés dans la montagne même. Voilà. Par contre, c'est pas si mal fait que ça. Le Ok. sol, il est plutôt bien plat, il est plutôt d'aplomb, le sol. Les dalles sont jointes de façon très très inégale, mais il y a une espèce de petit mortier entre qui fait que ces trucs-là, elles ont pas bougé d'un poil, quoi. Elles n'étaient pas posées droites à la base, mais d'une certaine façon, c'est propre. Ok, je n'ai plus de questions. Harry, t'en as ou c'est bon? Je pense qu'on va d'abord aller là, et Ok, après alors on pourra. j'ai une petite proposition quand même, hein. C'est que quand on arrive à un angle, tu vois, chacun regarde d'un côté. Donc moi je prends à gauche, toi tu prends à D'ailleurs, oui, droite. fais attention aussi par terre s'il n'y a pas quelque Tu chose vois, de genre bizarre. comme ça, genre un gros bouton avec marqué piège à con. Oui, voilà. On sait jamais, hein, les pièges, ça, Non, mais moi je me mets dans les là et je donjons. regarde. Attends, je prends mon indication pour dire où je regarde. C'est où la l'indication? Là, tu vois pas où je pointe. Par de là. Ouais, et par là. Tu l'as vu ma flèche? Ouais. Ok. Ah, voilà. Ça y est. Alors, je vais me demander de votre indulgence parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise cet outil en temps réel. No problemo. Et à dessein, je ne défaulerai pas plus Outre loin. mesure, voilà, ce qu'on ne voit pas. Non, et Autre question. même en l'état, je vais quand même apporter une petite précision, c'est que à partir de là, la lumière du jour N'est plus visible. n'est plus visible. C'est-à-dire que là, en l'état, si vous avancez, vous serez encore dans le noir. Donc là, jusque-là, Ouais, c'est ça comme à la va. maison, non? Petite question. C'est comme à la maison, j'y vois. Non. Non? Il n'y a aucune lumière. Il fait plus D'accord. noir que dans le trou du cul d'un gobelin. Oh putain. Petit Ouais, est-ce que rappel, ça on le voit déjà? oui, vous allez le voir. Voilà, mais petit rappel sur la vision de vos personnages. Vous ne voyez pas dans le noir total. Voilà, en tant qu'être humain, Aryl, on voit en tant peu. qu'elfe, a une très bonne vision de nuit sous le ciel ouvert. Il est très très sensible à la lumière des étoiles. Ça lui permet d'avoir une vision qui porte presque aussi loin qu'en plein jour. Toi, tu es très très sensible aux reflets, à la lumière qui provient d'une source de chaleur. Tu es capable de percevoir la persistance de la lumière. Voilà, une petite bougie pour toi, ça éclaire super bien, Kylaine. Mais en l'absence de toute lumière, vous ne C'est voyez que noir. dalle. Ok, Après et je Mioc, n'ai bon, bah pas là, il de a assez de torche. chien. Oui, vous n'avez pas Donc, pensé à prendre de torche, c'est ballot, ça. on aurait dû prendre un chat. Si, j'avais proposé, je crois, une fois, de faire une torche de fortune. Oui, Mais. ça c'est toujours possible. Donc c'est ce que je vais te redire ce que j'avais fait la dernière fois. Faire un feu, enflammer une grosse branche, il n'y a absolument rien de compliqué à ça. Simplement, une torche, c'est pas juste une branche enflammée. Une Oui, branche voilà, il enflammée, faut elle va se consumer en 10 un minutes. comburant, sinon. Et Exactement. genre une tente de gobelin, ça brûle en combien de temps?
Ça brûle. Oui, Alors, parce que là, on n'est pas loin, c'est le bon moment pour faire demi-tour, aller tailler des morceaux de tissu pour faire des torches, c'est hein. une peau tannée. Oui, ça fait partie des solutions. J'allais en fait ce que j'avais prévu de vous poser comme question ici à HRP, c'est est-ce que vous auriez pensé à prendre des torches si vous aviez joué des personnages humains ou sortir du relais des trois oies? Non, mais j'avais même pas venu à l'idée qu'on allait aller dans une grotte. Hein. Non, pas forcément. Voilà. Donc, Donc, à non, non, partir non, de moi, dans là. la logique, j'ai pas pensé à prendre des torches. Mais par contre, je suis en train de penser à aller découper la tente pour me prendre des bandes de tissu à faire cramer. Ok. Goudronné, oui. La tente est un peu impermis à albédiser. Vous pouvez vous faire des torches sans aucun problème. T'avais pris quoi? T'avais Donc, compris ben, je quoi? prends le temps de faire l'aller-retour et je vais taillader de la saloperie histoire d'avoir quelques Bah c'est bandes. pareil alors, c'est pareil. C'était prévu, je vous fais pas se ressortir de la Oui, carte. non, mais on ne change pas la carte, c'est juste dire on fait l'aller-retour et on revient avec de quoi faire. Faire des À torches. toi, à toi de nous dire combien on peut en faire, mais de quoi faire des torches de fortune. Largement assez, vous pouvez vous trimballer avec une dizaine de torches Allez, une dizaine de chacun. torches. Je vais me Oula. l'ajouter à ma carte de personnage. Et dites torches de fortune.